Bonjour tout le monde, c'est bientôt la fête des pères et pour cette occasion je vais vous montrer comment on fait cette carte veston. À l'intérieur il y a une chemise et celle-ci a un nœud papillon, tandis que celle-ci une cravate. C'est au choix. Elle est très jolie et très facile à faire. Alors pour cette carte, il vous faut une feuille de papier canson de couleur de 21 sur 15 cm, une feuille de papier canson blanche de 18 sur 9 cm, un petit rectangle de couleur de 3 cm sur 1, un petit carré blanc de 3 cm, des ciseaux, un tube de colle, une règle, un crayon et deux petits boutons. Alors, ce sont des feuilles en plastique collante. Vous voyez, j'ai coupé deux ronds pour faire deux petits boutons. Alors, on commence. D'abord, je prends ma feuille. Je vais la plier soigneusement bord à bord pour avoir le milieu. Voilà. Ensuite, ce bord, je vais le plier de façon à qu'il dépasse légèrement le milieu, d'environ 1/2 cm. Il doit dépasser le milieu d'un demi centimètre. De l'autre côté, je fais pareil. Je vais plier de façon à ce qu'il dépasse le milieu d'un demi centimètre. Voilà. Vous voyez, ils se croisent, les deux bords se croisent. Très bien. Je vais ouvrir ma feuille. Alors, avec un crayon, du bord, je vais rentrer de 3,5 et faire un point. Et du même bord, je vais descendre de 9 cm, faire un point. Si c'est visible, je vais foncer un petit peu. Voilà. Voilà, 3,5 et 9. Ensuite, je vais plier. L'idéal, c'est de prendre la règle, mettre la règle comme ça. Et voilà. Et j'écrase. Je fais de l'autre côté la même chose. 3,5. Je fais un point. Je descends de 9. Je fais un autre point. Je prends ma règle comme si j'allais tracer une ligne. Voilà, et ensuite je pousse la feuille tout contre la règle et j'écrase. Voilà, je vais bien écraser ici et là, et j'ai obtenu. Voici ma veste avec les rebords, plutôt les revers de ma veste. Voilà. Maintenant, on va prendre le petit carré. Je vais le plier en deux.
Ce n'est pas obligé qu'il soit bien au milieu. C'est une pochette normalement. Les deux. Je plie en diagonale, mais pas tout à fait. Ça fait rien si ça. Si les deux points ne sont pas posés l'une sur l'autre. Au contraire, c'est une pochette, ça ne doit pas être symétrique. Voilà, comme ceci. Et après, une fois que j'ai plié en deux, je rabats les côtés vers... Ça fait comme ceci. Je prends mon petit rectangle. Je vais en coller le rectangle. Et le coller comme ça. Ensuite, je vais mettre de la colle. Je vais en coller le rectangle, la pochette. Bien. Maintenant, nous allons faire la chemise. Alors, à 3 cm, on va faire un point. À 3 cm à partir du haut, un point. Et je trace une ligne. Maintenant, à partir du bord, je marque 2,5. De l'autre côté, 2,5. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Très bien. Maintenant, je vais couper jusqu'au point. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Jusqu'au point. Maintenant, je vais retourner ma feuille, je vais plier le bord supérieur jusqu'à la ligne. Bien sûr, on ne voit pas la ligne, mais vous voyez là où vous avez coupé. Vous arrêtez là où vous avez coupé. Voilà, j'écrase bien. Je retourne ma feuille. Ensuite, la largeur de ma feuille, c'est 9 cm. Donc, au milieu, je fais un point, 4 à 4,5. Je prends le bord supérieur, le coin supérieur. Je vais le mettre sur le point du milieu. Voilà. De l'autre côté, pareil. Le coin supérieur jusque... au point du milieu. Et on a obtenu le col. Maintenant, comme on va mettre un peu de col ici, on va refermer le col. On va bien le maintenir un petit peu. Et voilà, notre col ne s'ouvre plus. Maintenant, je vais encoller. Je retourne bien sûr, je vais encoller le dos de ma chemise. Ouvrir ma veste et soigneusement coller ma chemise. Et nous avons notre veste. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est les boutons. Je vais prendre mes boutons. Je vais en coller. 1 ici.
Et voilà ma carte veston. Voilà. Quand vous ouvrez. Et maintenant, il nous reste plus qu'à écrire un petit mot à l'intérieur de notre carte. Alors, avec un feutre, je vais écrire « Bonne fête, papa ». Alors, je peux soit une grande personne ou bien mon grand frère ou ma grande sœur écrit le petit mot au crayon et toi tu retraces. Soit, ce qui est encore mieux, tu essaies d'écrire cela. Quelqu'un t'écrit le petit mot sur une feuille et tu essaies de réécrire tout seul. Voilà, j'ai terminé et je vais rajouter des petits cœurs. Ici et là, voilà, que je vais colorier. C'est joli, non? Il nous reste juste un petit détail, c'est la cravate ou bien le nœud papillon. C'est au choix. Moi, je vais vous montrer les deux et c'est à vous de choisir. Alors, pour la cravate, il va vous falloir un petit rectangle de 9 cm sur 3 cm. Vous allez prendre la largeur et vous allez la diviser en deux. 1,5. Ensuite, toujours, vous allez ici monter de 1,5 et là aussi, montée de 1,5. Donc 1,5, 1,5 et là vous avez 1,5 et 1,5. Très bien. Vous allez placer votre règle comme ceci, c'est-à-dire un point sur les 1,5 et sur le milieu et vous allez repousser vers la règle. Vous écrasez. Là, je fais pareil, je l'ouvre, je mets la règle sur le point du milieu et sur les 1,5 et je repousse vers la règle. Voilà. Maintenant, j'écrase le premier et la deuxième. Voilà. Ensuite, maintenant l'autre côté. Je fais 1 cm du bord 1 cm, de l'autre bord 1 cm. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, de la pointe, de cette pointe, vers le premier centimètre, le 1 cm du haut, je mets ma règle, je repousse bien comme il faut, voilà. Et j'écrase. De l'autre côté, je fais pareil. Je mets ma règle sur le 1 cm et sur l'angle. Je repousse. Et j'écrase. Maintenant, à partir d'ici, à 1 cm, je trace une ligne. À partir de la ligne, 1 cm,
je trace une deuxième ligne. Les deux lignes, je vais les poser, les deux lignes l'une sur l'autre. Je vais. Voilà. Comme ça, les deux lignes doivent être posées l'une sur l'autre. Et ensuite, voilà, je replie. J'ai plié. J'ai posé cette ligne sur cette ligne. Voilà. Ensuite, je remonte et ça me fait un petit accordéon. Voilà, ma cravate, elle est terminée. Maintenant, on va la coller sur ma carte. D'abord, je vais mettre un peu de colle ici pour que ça ne bouge plus. Et là, et alors je fais bien attention. De glisser la cravate sous le col. Voilà. J'écrase bien. Voilà. Et ma cette carte est terminée. Alors, pour celui qui ne veut pas faire la cravate, on peut très bien prendre un morceau de serviette, un petit carré de 3 cm de serviette. Ensuite, nous allons prendre notre colle, mettre un tout petit peu de colle au milieu du petit carré, comme ceci. Nous allons plier en accordéon on va attendre que ça sèche un petit peu quand même. Nous allons prendre notre carte, mettre de la colle juste ici, là, entre les pointes de les deux pointes du col. Y aller tout doucement. Voilà. On va placer notre nœud. Voilà. S'il faut, avec la pointe du, avec le crayon, je vais écraser tout doucement. Voilà. Ensuite, on va faire, voilà, un joli petit nœud de cravate. Quand on ferme notre cravate, notre veste, voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir laquelle vous trouvez la plus jolie. Bien. Voilà, nous avons terminé notre carte veste pour la fête des pères. J'espère qu'elle vous a bien plu. Allez, au revoir.